Salut les chevelures, c'est la fin. Bienvenue sur votre chaîne de nouveau. Le plaisir est notre ce jour d'être encore face à vous pour apprendre comment faire le masque de cheveux à base des œufs et du gel d'aloe vera pour un nettoyage et un adoucissement des cheveux. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, de partager et de la commenter si elle vous aurait plu. Comme toujours les filles, les liens sur les autres types de masques sont sous la barre description de la vidéo. Pour la réalisation de ce masque, nous aurons besoin de deux ingrédients principaux qui sont l'œuf et l'huile. Les ingrédients qui rentrent en second plan sont le miel, le beurre de karité et le gel d'aloe vera. Nos ingrédients étant connus, nous allons nous servir de ce mixeur pour les mélanger. Nous allons débuter avec les œufs. Ensuite, nous allons mettre 3 cuillerées d'huile d'amande douce, 2 cuillerées de miel, 1 cuillerée de beurre de karité et enfin un demi-verre de gel d'aloe vera. La raison pour laquelle nous avons utilisé le gel d'aloe vera, c'est pour diminuer la gluance des œufs sur les cheveux. Si vous n'avez pas à votre portée le gel d'aloe vera, vous pouvez ajouter un peu d'eau à la place. Pour apporter plus de douceur à nos cheveux, nous avions ajouté le beurre de karité en plus d'huile d'amande douce. Si vous n'en avez pas à votre portée le beurre de karité, pas de panique, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. C'est la raison pour laquelle ça occupe le second plan. Voilà à quoi ressemble le mélange. Nous allons donc le transférer dans un récipient nous permettant de l'appliquer aisément sur nos cheveux et cuir chevelu. Nous allons maintenant passer à l'application de notre masque sur les cheveux et cuir chevelu. Nous allons diviser nos cheveux en deux grandes sections et appliquer le mélange sur chaque section. En plus de nettoyer vos cheveux lorsqu'ils sont réellement sales, vous pouvez aussi l'utiliser pour ôter les pellicules sur vos cheveux ou encore enlever les résidus lié à l'utilisation de certains gels.
Une fois le masque appliqué sur nos cheveux, nous allons le laisser au moins pendant 30 minutes. Après quoi, nous allons nous servir du shampoing pour nettoyer les cheveux. Vous pouvez utiliser le shampoing fait à base des ingrédients naturels comme l'avocat, le jet d'aloe vera, la banane, etc. La durée de conservation de ce masque est d'une semaine si jamais vous n'avez pas pu tout utiliser le même jour. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous encourager en aimant, partageant et en commentant la vidéo. Si vous avez besoin d'autres types de masques, dites-le nous en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas, la chevelure, c'est la femme.